And I welcome the Valkyries to summon me home! Bonjour à tous, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Alors moi, je suis censé encore être en vacances pendant 3 jours, mais il se trouve que Viking et Cobra Kai sont arrivés plus tôt que prévu. Du coup, je sors de mes vacances. Vous voyez bien que la lumière a changé, que le décor aussi. C'est normal, je ne suis pas chez moi, donc rassurez-vous, le décor va revenir dès dimanche, le temps que je rentre à Bordeaux. Là, c'est ma nouvelle lumière que vous voyez, enfin vous voyez pas, mais moi je la vois et je peux vous dire qu'elle nique les yeux. C'est vrai que c'est beaucoup plus appréciable au niveau de la lumière, sauf que malheureusement vous allez voir tous mes défauts, et des défauts j'en ai beaucoup. Ah bah, n'est pas Brad Pitt qui veut. Donc voilà, c'est parti pour l'épisode 11 de Viking, donc la dernière partie de la saison 6, la saison qui va conclure la série Viking. Alors j'ai beaucoup de hâte, hein, malgré que j'ai été quand même déçu de la première partie de saison 6. J'ai vraiment hâte de savoir comment la série va se terminer. Je veux retrouver Bjorn, Alfred, Ivar. Je pense qu'on va vraiment avoir une fin de saison exceptionnelle, je le pense vraiment, parce que Michael Hirst use beaucoup de ça généralement dans ses mid-saison et ses fins de saison. Et là, c'est la dernière partie, donc je pense que ça va être spectaculaire. On va se lancer ça, j'espère que la vidéo vous plaira, on est parti. Ah ouais... J'ai du mal à croire à sa mort, mais... Je me demande vraiment ce qui va se passer maintenant. Encore ! Et le roi Harald, il veut pas mourir. En même temps, le roi Olaf, à part se mettre à poil dans des saunas... Le roi Harald, c'est un bonhomme. C'est chaud. Franchement, j'aurais le seum que Bjorn meure, hein, perso. En même temps, avec un coup d'épée dans le ventre... Il a vraiment des airs à Ragnar Ubbe, c'est impressionnant. J'ai hâte de voir l'arc d'Ubbe. C'est un des arcs qui m'intéresse le plus. Bon, il va se relever, c'est sûr. Je pense que le roi Alfred devrait venir en renfort. Eh oui. C'est ce qu'il veut, y avoir de toute façon. Hein. Quel acting, putain. Aïe, aïe, aïe. Vraie femme, elle. J'adore ce personnage. Ouais. Je crois que Bjorn, il essaye de parler. Putain, je suis pas marrant. Putain, le roi Olaf, il est serein. Ah ouais. Et il crie même pas. Incroyable, cette scène. L'autre, il brûle vivant. Y a pas un bruit. Bon, moi, je mets bouillante avec l'eau des pattes, je chiale. Comment quoi? Mais non. Mais il était pas blessé, ce con, en plus. Putain, il se passe des choses, hein. Ouais. Moi, je regarde sur Canal+, du coup, la traduction est bonne. Et les vidéos que je vais utiliser, vous allez voir que la traduction n'est pas super. J'aimerais bien savoir ce que je fous là quand même. Comment tu vas les repousser? Bah là, je sais quand même pas trop comment tu vas t'en sortir. Hein. Oh, il va se relever. Ouais. À mon avis, il va renverser Oleg lui. Hein. Je la sens pas, cette histoire. Il est pas con, Oleg. Hein. Franchement, je trouve qu'il chipote beaucoup pour une épée dans le ventre. Hein.
Moi, un jour, je me suis coupé le doigt avec une feuille et j'ai pas chialé, hein. Est-ce que Floki est mort ou pas? Oh, ce Flo, putain. Ah! Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, putain? Il a mis une claque, une gifle! Eh mais il est en train de mourir, j'ai. Putain, faites quelque chose, faites quelque chose. Le roi Bjorn. Mais non. Eh, je vais chialer là. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Qu'est-ce qu'ils foutent? Bjorn est mort? Il va pas nous faire une Ragnar comme à Paris? Qu'est-ce que vous me racontez? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Mais comment ils vont repousser? Comment ils vont les repousser? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'ils vont. C'est Bjorn. C'est Bjorn, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Oh. Quel homme! Quel homme! What? C'est pas possible. Bjorn est mort! Mais non, oh non, j'y crois pas. Je vais chialer sa mère. Oh là là, j'arrive pas à y croire, j'ai envie de chialer, mais c'est tellement. C'est incroyable! J'ai des frissons! Quelle scène! Oh putain! Oh, je suis. Je suis. Oh putain, ça pourrait être l'épisode final! Ça pourrait être l'épisode final! Et faites-lui manger ses morts. Allez, c'est fini, c'est fini! Voilà, let's go! Oh, c'est terrible. Ah, j'y aurais pas cru du tout, hein. Bjorn est mort. Bjorn Ironside est mort. Quelle reprise. Honnêtement, quelle reprise de saison. L'épisode est très bon. Il se passe plein de choses. Notamment, bon, bah, a priori, la mort de Bjorn, à mon avis. Hein. Je ne pense pas que ce soit comme Ragnar avait fait avec Paris. Alors, on a bien vu, malheureusement, trois flèches dans le bide et un coup d'épée. Au-delà de ça, je trouve que c'est magnifique. Ce roi déchu qui va remonter à cheval une dernière fois, qui va mettre son armure une dernière fois et qui va porter l'épée des rois une dernière fois avant la mort pour prouver à son peuple qu'il est roi jusqu'au bout, qu'il lève son épée malgré la mort en fait devant les Russes, même Ivar en a peur, même Ivar a eu peur. Et je trouve que c'était très très puissant. Alors avec la musique derrière et la mise en scène, de toute manière, c'est encore une fois une masterclass, il n'y a rien à dire. Waouh! On conclut en fait l'arc de Bjorn pour l'instant. On conclut l'histoire de Bjorn, mais de très bonne manière, je trouve. Choqué un petit peu parce que je ne m'attendais pas vraiment à sa mort. Je me suis dit que non, à mon avis, il remonterait en selle pour combattre Ivar. Il l'a fait, mais
s'ensuit sa mort en fait. Que va faire Ivar? Que vont faire les Russes maintenant vu qu'ils viennent d'essuyer une défaite? Alors un petit peu rapide effectivement, c'est vrai que c'est juste les 5 dernières minutes, les 10 dernières minutes qui se passe vraiment quelque chose au niveau des batailles, attention, hein, pas au niveau de l'histoire. La bataille est assez rapide, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je me demande comment le roi Alfred va revenir, est-ce qu'Ubbé va donc trouver les terres? Ouais, il se passe plein de choses. Le roi Olaf est mort aussi d'ailleurs, et je pense que c'est une bonne chose de mettre un terme à ce personnage. Voilà, bon, on avait fait le tour, il était assez intrigant, mais bon, je pense qu'il fallait un petit peu dégager du monde. En même temps, là, on a dégagé Olaf et Björn. Waouh. Je trouve que c'est un très bon épisode, hein. Je trouve que c'est bien écrit, c'est dans la continuité donc, de l'épisode 10 qui était très bon. Alors certains vont dire que c'est rapide, mais vous matez l'épisode 10 et ensuite le 11 à la suite, vous allez voir que ça passe plutôt bien. C'est parce que là on a attendu un an pour voir la suite, donc effectivement c'est un peu éjecté en 45 minutes. Additionnez-le avec le 10 et vous allez voir que ça vous fait un épisode de presque 2 heures. Qui passe quand même plutôt bien. Ok, hâte de voir la suite, hein, parce qu'à mon avis, la mort de Björn va s'entendre un petit peu partout. Tant de questions sans réponse. Alors, j'ai regardé les épisodes, là, pas ce soir, mais sûrement demain ou autre. J'ai hâte de voir la suite, hein, j'ai hâte de réagir en vidéo là-dessus. C'était vraiment très bon, hein. Honnêtement, putain, quelle belle reprise. Alors, c'est pas un épisode où on peut s'éterniser trop dessus. C'est la mort de Björn, il combat Ivar, il arrive à s'en sortir. Ça met en place les choses qui vont arriver par la suite. Ouais, putain, quel épisode. J'ai un peu du mal à m'en remettre, j'ai un petit peu les boules, je vais pas vous mentir, j'aimais beaucoup Björn. Et ça me déçoit parce que j'aime aussi énormément le personnage d'Ivar, mais il n'est pas très bon. Ivar, il est pas bon du tout. Donc ça me fait chier de l'aimer, de le détester en même temps, parce que je pense que c'est un personnage qui aurait pu s'allier avec ses frères et faire de grandes choses. Et c'est vrai que le voir passer clairement du côté obscur, hein, il n'en a plus rien à foutre. Hein. Même s'il a eu peur, et j'ai bien aimé le fait qu'il ait quand même enfin eu peur, qu'il se rende compte que finalement il n'est pas un dieu. C'est peut-être Björn le dieu, on ne sait pas. Ok, super, j'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Moi je vais aller chialer un bon coup et vive le roi. Vive le roi Björn. And I welcome the Valkyries to summon me! Oh.